Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un petit épisode de Dying Light. Un petit peu dans le drame, parce qu'on s'est dit tiens, on va voir si vraiment c'est capable de repousser les zombies. Et bon bah quand même, quand on les titille un peu, ils viennent hein. Les prières ne font pas tout. Ça a quand même fait fuir le Malabar, on peut pas dire. Et du coup, bah écoute, on rentre dans le barrage hein. Bah ouais. Mais c'est marrant parce que par contre ça a transformé des zombies standards. Ils ont eu une espèce d'explosion dans leur crâne là et ils sont devenus vachement plus vénères. Et voilà. Oh j'adore le petit paquet de carreaux d'arbalète que j'ai fait dans la tête quoi. Ouais j'en ai mis quelques-uns aussi, je suis quelqu'un de sympa. Allez, je récupère mes carreaux. Vas-y, vas-y, je récupère le loot moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coin? On va pouvoir se faire plaisir à rentrer dans un sympathique petit barrage tout noir. Mmh. À mon avis, ça va puer le rapace. Mais bon. Ah oui, classique. Saloperie. Donc si tu veux te faire des petits stocks de soins et tout, c'est le moment. Je pense que je vais me relancer un petit peu. Je restock un peu de tout, c'est vrai. Pareil, je vais vérifier que toutes mes armes soient réparées aussi. Un petit stock de carreaux, ça me paraît pas mal dans le contexte. Recharger une arbalète sans carreau, c'est comme une tartine sans beurre, non? Voilà, là on est pas mal. Quoi? Ça tombe toujours du même côté? Je ne sais pas. c'est ce qui est marqué pour le plan des arbalètes, me demande pas pourquoi. Allez, on a confiance. J'ai pas peur, j'enlève ma torche. Ça pue ça. Ouais, la petite ciné à la con. Putain, t'es parfait. Sûr. Pourquoi t'as fermé la porte? C'est clair. Nous voilà en 5 caillasses. Y'a plus de porte. Il a fait un trou dans le barrage ce con. Putain, il est blindé quoi. Pas de dégâts. Je suis mis dans le coin. C'était pas top stratégiquement. Putain, je peux même pas lui mettre de headshot. Cours. Si, parce qu'au bout d'un moment, son casque casse. Là son casque a cassé. Ouais, constate. Costaud. Ça y est. Non, putain, non je crois ça n'allait pas. Le mec il recule là, il s'est mis en mode. Je souffre. Putain, mais sérieux. Ah. Non mais il était hyper loin. Quel est le fuck? Mais je sais pas, il a dû avoir un bug graphique qui. Il a chargé dans le transformateur électrique et je suis quand même, j'ai quand même pris. Allez, non, pas de bonne idée, salut, ça va Billy. Sauve-moi. Je sais pas si je t'ai effectivement sauvé. Si si, je me suis relevé seul. Il charge deux fois de suite. C'est bon, il est mort. Totalement gratos quoi. Cool, on a plein d'ennuis en banc. Attends, y'a un crasher quelque part. Ouais, c'est ce que j'ai vu là. Je crois que je l'ai. Je vais voir en bas. Ah, mais du coup, avant, faut quand même relancer là. Les fuses. Ali, I'm inside. Throw the switch now. Ouais, mais il va falloir qu'on sorte par en bas parce que de toute façon, il a explosé la porte quoi. Try to find the main transfer switch. It must be somewhere in there.
James, fais vite, je t'en prie. Mec, c'est allé te faire foutre. Merde à la fin. Ça va? T'as balancé ton petit truc cas où quoi? Je sais pas ce que c'est. Bah si, c'est les trucs qui font de la lumière ultraviolet quand c'est un petit peu trop la merde, tu fais ça. Les fusées UV. God, I hate these things. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Parfait, je suis carrément en dehors de la map. C'est nickel. T'as un petit peu de loot qui est en dehors de la map? Non. Non mais là c'est la sortie. Est-ce que t'es disparu? Ah non mais j'avais trouvé un endroit, je me disais peut-être qu'il y a un truc, mais non c'est la sortie. Par contre il y a un endroit sympathiquement bas, genre petit tunnel, qui laisse présager qu'il y a des petites saloperies qui vont sortir. Je suis là, là. Ah ouais. Moi je suis en train de vider la salle. Bah, il est où ce... Ah il est genre là au-dessus ce tableau là. Ah non, si. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Cette plateforme il est designé comme étant en bas, donc il doit être quelque part ici. Ah, ah ben là. Ouais, bah il a carpé. T'as qu'à venir. Il fait, maman, allô maman Mouvo, et puis ça sera bon. Ok, t'es dans un barrage avec plein de morts partout, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Ah oui, putain, c'est en train de se remplir là. C'était pas rempli tout à l'heure, ça. Ouais. Je suis passé. Alors tu feras gaffe, juste à droite il y a un petit truc où je pense qu'il y a des zombies qui ont moyen de sortir au sol. Non même pas. Putain c'est presque désolant. Il y a une musique en plus. Ça c'est un cul-de-sac, on est d'accord. Il faut sortir par là où il y a tous les zombies. Allez hop, c'est parti. Ça va, c'est plus fragile. Il y a des bombes là, il y a des bombes de peinture si tu veux dans le coin. Peinture bombe fleur, ouais c'est le moment de mettre des bombes fleurs tiens. C'est ça, exactement. Tu peux pas me mettre un petit pot purée avec ça hein. Il n'est jamais trop tard pour mettre une petite peinture de fleurs sur ta voiture. Alors c'est super, mais on va où après? Ah bah, il est capable de me taper ce con. Attends, allume-le à travers. Le gars est en train de hurler à la mort, je sais pas ce qui se passe. C'est la merde, il est en train de se faire découper. On va arriver, il va se transformer en son visage. Son visage. C'est pas par là. Merde. C'est là-dedans? Bah on est sorti au moins. Oh putain, à droite. Ah ouais. Il va faire nuit en plus. Allez. Il n'y a plus son visage, ça c'est clair. Parce que je sais pas du tout par où aller. Je suis remonté en haut. Hein. Fais-moi signe quand il n'y aura plus de danger. Bah écoute, mec, t'es gentil, mais. C'est à te faire.
Et d'où son visage du coup? Bah je sais pas, j'ai pas vu. Il avait juste voilà, bah c'est, ah bah, c'est là. Il s'est fait dépouiller. Pauvre petit, il n'a pas du prix assez fort. Okay, I think you're safe now. Jesus, what happened? I don't know. He just said we gotta go now and led me here. Told me to get inside and lock the door. He's dead now. May the mother bless his soul. Let's go, Ali. You said you needed to finish something out there, right? Yeah, I was almost done. Just need to flip some switches. Well, I'll stand guard while you're doing it. You ready? Yeah. Let's go. The sooner we're done with this, the better. Quelle bonne idée, il va faire nuit. Je m'attendais à ce qu'il referme la porte et qu'il entende le verrou. C'est ça. Bonne idée, faisons ça. Allez, salut. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Bon, bah pour l'instant, y'a rien. Ah, est-ce que tu paries sur un boom, hein, t'es un gros qui va arriver là? Oh ouais, y'a moyen. Je te dis que ça va attirer du monde, ça. Je vois, ah, je vois des saloperies là-bas qui courent là. Il y en a plein partout autour là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prends les dégâts? Je prends les dégâts là. Ouais. C'est quoi le délire là? Ah, j'ai dû me prendre un coup de foule ou une connerie du genre. Allez, électrocuté là. Ah putain, mais t'es où? Tu me couvres plus. Bah si, un deux qui arrivait par là, par là, par là. Faudrait être 4 en fait. Ah ça y est, ça les électrocute à mort. Pas de mon côté. Aïe, mais qu'est-ce qui... Putain, ils sont capables de résister à deux tirs de shotgun, quoi. Qui arrive là. Bon, on bah, pense plus 4 balles. Ouais bah tu dis beaucoup de choses Ali mais... Parfait, il a tout coupé. Non? Ah non c'est bon. Ça va. On va se rendre la foudre comme un con. Le truc, les éclairs partout. Ouais. Ouh, se rétablit. Tu coupes des marches. C'est bon. I'll be heading out then. You coming? Nah. This place is safe now, right? I'll just hang out here. We'll observe for a while. Make sure on verra quelqu'un te filer un sandwich. Ouais, ouais, et on est un allié. Ça, c'est bon, ça. On a fabriqué balle toxique. J'aime le nom de cette chose qu'on peut fabriquer. Balle à impact. Balle toxique et balle à impact. Fais gaffe à pas crever en ramassant le loot au mauvais endroit. Hein. Mmh. Où est-ce qu'il y a une zone safe? Pas loin. Ah, oh, bah juste là sur le coin. Ouais, bah on est tout près là. Mais parfait. Allez. Balle à impact. Elle ne fait pas beaucoup de dégâts, mais elle fait voler vos ennemis. Marrant, non? Une balle étourdissante. Vous voulez assommer amis et ennemis en un clin d'œil? En fait, non, c'est pas du tout des balles, c'est des carreaux quoi. C'est des carreaux. On peut faire des carreaux spéciaux, pourquoi pas. Et on est dans une zone safe, je crois là. Ouais. Voilà.
bim, on va rappeler les voitures, ça sera fait. Alors la suite, réclamation, nettoyer la zone. Quête très difficile. C'est où ça ? Bah, on a une zone sécurisée juste en bas. Ah oui, il y a une zone sécurisée, un point de navigation de Katox. Tu veux qu'on y aille de nuit ? Allez, challenge. Petit challenge. Alors les bagnoles, elles sont où ? Juste à l'extérieur. Comment on fait pour sortir d'ici ? Par là. Bah super. C'est vachement pratique tout ça. Perhaps we owe you an apology, Kyle. You help us, and yet we still do not entirely trust your intentions. We understand it might be hard to expect someone to praise the mother without seeing. Mes freins sont pétés. Bah, tant pis. I've got nothing to hide. Okay, my intentions are pure. I'm here to help. Ah oui, c'était vraiment un petit challenge. Je vais opérer. Pas ici en tout cas. Pourquoi je peux pas allumer ma torche? Ah putain, parce qu'il y a la quête. Ok, voilà, merci. Là. Des steaks hachés froids, grand classique. Alors où est-ce qu'il est le dernier? Là on reconnaît bien le petit stress à la Project Zomboid là dans ce genre de truc. Ouais, ces petits moments où on fait. Vivement la mise à jour d'ailleurs. Ah ouais, ah y'a une porte ici qu'on n'a pas ouverte là. Ah y'a un sous-sol. Ah c'est donc ça. C'est totalement safe de remettre le courant alors que t'as les pieds dans le haut. Carrément, t'es serein. Allez bim, je mets les fusibles, go. Bim, voilà, une petite zone sécurisée. Putain, je suis bloqué par les caisses. Bon bah, c'était un petit challenge. Voilà. Alors du coup, nettoyer la zone. Il y a un hydratage. Quelque chose a mal tourné à la station de pompage, faudrait qu'on y retourne. Et du coup, c'est la quête principale. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir? On fait la station de pompage, on se fait une petite quête très difficile où il faut nettoyer un endroit avec des morts-vivants invincibles. Je te suis. Alors, je vais vite faire regarder les distances, ça c'est où? Oh putain, ça c'est hyper loin, ok. Celle-là elle est acceptable. T'as une personne disparue pas loin encore. Ici? Je sais pas, je te suis en fait. Il y en a deux. Bon écoute, il y a une personne disparue qui est, on dirait qu'elle est dans le barrage en fait. C'est ça qui est bizarre. Ouais, ouais. Attends, il y a un truc qui est tombé là. Allez hop. Oh là-bas, il y a du parachutage. Go, go, go. Comment on monte à l'arrière? Bon, j'adore le petit. Merde. Ah putain, je suis coincé avec ma voiture. Non. T'es où? Non. Bon ça, c'était pas bon ça, aïe. Ah ouais, mais je me suis coincé dans un arbre, entre un arbre et une bagnole, du coup impossible de mettre de la distance entre moi et les rapaces. Bon, je devrais réapparaître dans la safe zone normalement, voilà. Alors, et le truc. Truc à looter que j'avais pas looté, voilà.
Voilà, je vais ramener ma voiture et j'arrive. Pas toujours par partage. À mon avis, il va se faire piquer d'ici là. Mais... Elle est où ma bagnole? Elle est là. Vas-y, pars devant, au pire, je te rattrape. Ah, mais t'es sérieux, putain! Where are your parents? Je me fais buter par des flammes, quoi. Putain, c'est un truc de fou. Des fois, ça veut pas, hein. Oh, j'ai apparu dans un affût de chaise, du coup. Ma bagnole. 48 mètres en bas. Ok, très bien. Bon bah tant qu'on y est, on va ramasser les plantes. Pour longtemps hein. Bah écoute, de toute façon je suis en train de descendre une falaise à la con pour récupérer ma bagnole donc qui est en plus foutue dans les flammes. Alors faut que je la réinitialise, on va essayer de réinitialiser ça correctement. Alors t'es où du coup? Ah des caisses. Ouais non je faisais pas la différence entre ton point en fait. Je crois que ma voiture est pétée, la voiture est en flamme. Non, c'est moi qui suis en flamme. Il y aura pas à mes côtés aussi. Ah, casse-toi. Ah non, ma voiture ne roule plus du tout, c'est une merde. Ouais, non, ma voiture est toute HS du coup, c'est impossible de la de rouler. Je vais à 2 à l'heure et les rapaces m'ont défoncé le cul. Ouais, ça sent l'échec cette fin d'épisode quand même. Aïe, ouais. Putain, je suis réapparu dans mon affût de chasse à la con, hein. Bon, bah, du coup. Je suis pas sûr que les rapaces prennent des dégâts quand tu leur roules dessus. Je crois pas non plus, non, j'ai pas l'impression que c'était trop tel. Bon, bah, il va falloir que je retourne à la zone sécurisée à pied pour réinitialiser ma voiture. Oh merde, oh. Non. Toi aussi t'es apparu dans un truc à la con là. Ouais sauf que regarde où je suis. T'es ouf. Ouais dans un affût de chasseur complètement l'est là. Ouais sauf que moi j'ai pas de safe zone proche. Bah écoute je vais essayer d'aller chercher la voiture et puis de te retrouver rapidement. Bah si... Ah mais non parce qu'il faut que je sois à côté de toi pour passer la nuit en plus. Attends j'ai 70 mètres jusqu'à la safe zone hein, ça devrait être faisable. Après, je fais revenir ma bagnole. Je passe te chercher. J'ai tenté de faire la perce. T'es sérieux là ? Tenter de récupérer la mienne. Ok, allez, c'est parti. J'espère qu'elle revient réparer parce que. Sinon, c'est la merde. Bah, faut que tu la répares toi-même, non ? Bah, je sais pas. Je vais voir ça. Non. Allez, répare. Toi, tu es gentil de crever, s'il te plaît. Ok, je suis réparé. Putain, direct, il y en a une saloperie en face, quoi. Voilà, je rentre dans un truc. Ah la vache, le drame, quoi. Non, il m'a jeté dans les flammes, ce con. Non, putain, mais non. Ah non mais annule, je voulais me soigner débile. Je vais me soigner, c'est le truc qui lance une. Il lance une quête quoi, ce con. Eh. Oh là 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 là. Bordel, c'est encore plus l'enfer la nuit quoi. Je suis en mode ninja. Ah bah moi je suis en mode je roule dans tous les sens en espérant me libérer. Il y a une route à gauche. Oh, la route de gauche, putain, je peux plus tourner quoi, j'ai plus de direction. Bon, je vais vaguement dans ta direction, mais alors. Vaguement quoi. Non, ça c'est un putain de camion. C'est genre, j'ai vu le truc se remplir, j'ai entendu le cri, j'ai entendu gros, je suis mort.
Il pique, hein. Ah, il pique, hein, ouais. Ah, le monsieur, il pique, ouais. Oh non, je reviens encore à Perpète. T'es à 250 mètres dans un affût de chasse. J'essaie de te choper, mais il y a des... les rapaces, ils sont capables de dévier ma bagnole. C'est chaud, quand même. Salut, là, c'est sale bête. Je traverse là, sinon je peux pas passer. Je vois où t'arrives, j'essaie de... Je te préviens, j'ai des rapaces au fesses. Ah putain. Ah non, c'est abusé. Je me suis fait planter 2 secondes dans un mur et ils m'ont défoncé, quoi. Ils ont poussé ma bagnole sur le... sur le toi, truc, t'as rapace 4. Du coup, je devrais réapparaître près de toi, théoriquement. Ouais. Absolument pas. Si, si. Ah bah... à 50 mètres. Ah, parce oui, que je suis descendu, j'allais vers. Ah mais t'as pas crocheté le truc, ça me surprenait de ta part. Monsieur Kevin vers moi. Le crochet fonctionne pas sur les collines. Au secours ! Au secours ! Écoute, t'as cherché la merde, hein, moi. il va s'asseoir dans son affût de chasse et faire moi j'attends que la nuit passe. Je ne fais plus rien. Alors ma voiture est à 80 mètres et toi t'es où? T'es à 50 mètres par ici. Et entre ta voiture et toi, il y a un rapace. Tu veux pas... T'es sérieux, tu veux pas sauter ce truc là? C'est peut-être le moment de sortir la lampe à UV aussi. Hein. Non? Ok, il y a 2 rapaces par là, ma voiture est là-bas. Toi t'es à la même distance mais loin de ma voiture. Ici c'est à peu près safe. Putain non, c'est absolument pas safe. Merde, il est en train de me voir ce con. Non. Ok, parfait, je l'ai esquivé de justesse. Toi t'es en train de courir vers ta bagnole, non? Sur le moment je récupère le largage. Merde. Je prends ma voiture. Je fais plein, de toute façon je vais me retrouver à court. Rampe. Non, je suis dedans, vas-y, c'est mon fonce. Ah putain. Il est où? Oh. C'est abusé. Ils vont tellement vite, putain, sérieux quoi. Je peux même pas utiliser mon comment ça s'appelle là? Ah, j'ai plus de munitions, fait chier. J'imagine que tu roules dans n'importe où, n'importe comment. Non, tu vas verrer la safe zone. Je fais passer la nuit. Putain, pourquoi tu rentres dans cette bagnole, mec? On a foutu de se rentrer dans cette bagnole. Waouh là 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 là. Ça picote, hein. Ah ouais, non, la nuit c'est vraiment... c'est vraiment abusé. Je veux passer les mêmes. Attends, je me refais des kits de soins du coup parce que je les ai cramés comme un connard. Moi. La base c'est sévère. Hein. Ah ouais, là c'est waouh quoi. C'était 1 heure plus tard, on a presque fait toute la nuit. Hein. Ah ouais, on est presque mort toute la nuit. Aussi. Bon attends, faut que je fasse réapparaître ma voiture du coup et je pense qu'elle va avoir besoin sacrément d'une grosse réparation parce que... clairement... elle était sèche, hein. Elle n'arrivait même pas à rouler assez vite pour... Mais putain, on peut pas passer de ça. C'est vraiment complètement gratos, mais t'es obligé de faire le tour quoi. Mais oui, ma voiture. Ah, elle est là-bas.
Ah, les trucs ont été réinitialisés du coup, on peut refouiller. Ça, c'est bon ça. Pas quelques petites munitions en passant. Non, il y a des clous. Des clous, c'est toujours ça de prix. Ah, t'as mis des vis, mais. Ça ira, je fais avec mes clous. On peut recrocheter toutes les caisses. Ouais, on peut recrocheter toutes les caisses, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ça au moins, c'est à peu près safe. Et du coup, ça va de toute façon être la fin de l'épisode, donc. Si tu trouves des munitions, surtout, n'hésite pas à me dire. Il y a une caisse juste là, face à toi. Ah bah là, il y a des munitions pleines là, munitions de fusil, voilà, j'avais plus de munitions pour mon petit fusil là, j'ai tout vidé sur ces foutus rapaces. Avec grand effet, à ce que je vois. Bah non, c'est, j'ai vidé sur ceux qui nous poursuivaient quand j'étais dans ta voiture. Parce que moi, je pouvais pas tirer pendant que je conduisais la mienne, du coup. Képèche égyptien supérieur. Ça m'a l'air bien ça. Hop. Du coup, la voiture, elle est là. Ok, très bien. Alors, niveau réparation. Ouais, j'avais plus de suspension, plus de frein. Cette pièce ne peut plus être réparée. Ah la vache, les fumiers. C'est pour ça. Ah bah oui, j'installe un truc à réparer, ouais, c'est pas con. Bon. Bah écoute, de toute façon, je crois que on va pouvoir arrêter l'épisode là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, tu m'es rentré dedans, putain. J'ai cru qu'il y avait une explosion, j'étais sur la map là en train de regarder la map tranquille là, et là c'est une grosse explosion. Il y a un truc, il y a une quête ici, on peut pas suivre la quête si c'est l'objectif. Allez, on fera cette quête là lors du prochain épisode, mais on va s'arrêter là pour cette fois. Hein, n'est-ce pas, parce que la quête ça peut faire n'importe quoi, ma voiture tant bien que mal réparée quoi. Allez, merci à toutes et à tous, à très vite pour la suite. Salut.